Nouveau classement des TikTokers et regarde ma vie, t'es dans les filtres. Du coup, je dois choisir entre Just Zizou et Thibaut InShape. Donc du coup, Thibaut InShape, j'ai un peu peur de toi, je suis désolée parce que t'es très... Ah, mais pour t'es... quoi? Non mais il y a mon mec à côté, donc du coup, non, mais Just Zizou. Reste. Ensuite, entre Léna Vivas et la TikTokeuse. Ah, moi j'aime bien les deux. Ah, ouais, moi aussi. Bah, Léna Vivas, je lui parle pas, et la TikTokeuse, on lui parle. Ça fait longtemps qu'on va parler après. Bon, du coup, la TikTokeuse. Fabien et Momo Makeup. Momo Makeup. Ah ouais, elle est drôle. Elle est pas drôle. Ensuite, TLJ et... Bah, Benoît. Benoît, bien évidemment. Entre Arnaud et Poupi. C'est qui Arnaud? Je sais pas, mais c'est un garçon, donc prends le garçon. Le garçon? Ouais. Ok, je prends le garçon. Entre Studio Daniel. Daniel. Ah, je l'aime bien. Ah, Studio Daniel, ouais, grave. Entre Lukaki et... Bah, Lukaki, ma vie. Ouais, Lukaki. Entre... C'est qui? Clan et Thomas. Je sais pas. Ah, mais il est drôle lui avec les lunettes, je te jure. Allô? Ok. Entre Jazizou et la TikTokeuse. Jazizou, ouais. Désolé, la TikTokeuse, c'est mon mec. Entre Benoît et Momo. Bah, Benoît, parce que c'est mon ami. Entre Studio Daniel. Entre. Non, Lukaki. Entre. Je lui fais croire que je suis en live et que je parle mal. Coucou les gens. Ouais, ça va être... Tais-toi là, vas-y, tiens. T'es aigri, ton rire. Parce que ça me saoule d'être en live là. Bah lance pas en live, qui t'a demandé d'être en live? Déjà, qui veut voir ta gueule en live? Non, ça va pas, et vous, ça va? Et de toute façon, je m'en fous si ça va, ou si vous allez pas bien. Si vous allez bien, je m'en fous en fait. Me dis, bah là, ça se fait pas. Je m'en fous de vos problèmes. Tout le monde a des problèmes dans la vie, j'en ai rien à foutre. Pourquoi okay. Tu lances un live si c'est pour faire l'aigri, ton rire? Je suis énervée. Toi, de quoi je me mêle, toi? Allez, vas-y, quoi? Non, je me coupe pas le live, je reste en live. Non, je reste en live. Coupe le live. Non, je reste en live. Pourquoi, Anya, t'es énervée? Alors là, je suis pas énervée. Et là, parce que tu me dis que je suis énervée, bah ça m'énerve. Parce mais que arrête de lui agresser, mon frère. Ouais, t'es là, tu as crié dessus, t'as rien fait. Déjà, qui t'a dit qu'il voulait voir ta sale gueule en live? Vas-y, mets la lumière, je vois pas les commentaires. T'as pas à voir les commentaires, c'est mon live en fait, bouge. Tu me saoules, lui. Anya, faut... Là, je parle mal aux gens, je crois. Anya, faut pas être énervée. Je suis énervée, vous savez pourquoi je suis. Pourquoi qu'est-ce que tu fais là? Là, tu parles mal aux gens, vas-y, coupe le live, tu t'affiches, Anya. Quoi? Coupe le live. Non, je reste en live. Coupe le live! Y'a pas de live. Vraiment, je parle comme ça aux gens, non? Décis. Je mets un soutien-gorge ultra push-up. Parce que là, sinon, ma vie! Vas-y, regarde-moi. J'y vais. Attends, mais je te rappelle, parce que là, c'est énorme! Je dois y aller. Je te rappelle. Je dois y aller. C'est gros! Je dois y aller, ma vie. Hein? Tu peux les toucher? Mais pas du tout. Mais c'est énorme! Mais oui, je sais que c'est ma énorme. Vie, t'as une poussée de lait. T'es enceinte. C'est pas ça. Mais non, mais je dois aller au sport, là, ma vie. Tu peux toucher, s'il te plaît? Non, ma vie, arrête. Tu te comportes comment, là? Allez, j'y vais. Tu vas où? Bah, je vais au sport. Tu vas au sport et je peux même pas les toucher. Laisse-moi toucher. Je veux toucher tes lolos, s'il te plaît. Mais tu te calmes ou quoi? Tu te calmes tout de suite. Tout de suite, tu te calmes. Tu ne me touches pas. Je dois aller au sport. C'est pas une tenue. Ouais. Anne, tu vas pas au sport. On voit tout. Mais on voit rien. C'est une tenue pour faire du... Pour faire des squats. Au sport. J'y vais. Non. J'y vais tout de suite. Mais allez, non. Allez, bisous, mon amour. Mais non, c'est vrai. Allez, je t'aime. Mais bisous. Non. Je lui fais croire que le chien a fait caca sur sa sacoche. Bébé, t'as pas vu ma sacoche bleue? Oui, elle est dans le lit. Vite, je suis en retard. Non. Non. Mais non. Mais t'as fait caca sur mon lit. Mais t'as acheté sur ma sacoche. Ah, quand elle remue la queue, c'est-à-dire qu'elle a fait une bêtise. La pauvre, mais... Mais putain, gars. Mais, lui... Non. Mais lui crie pas dessus. Mais non, mais pourquoi on va faire caca sur ma sacoche? C'est du caca, ça, bébé. Elle remue sa queue. Tu lui dis rien, tu te jures, c'est toi qui l'as laissé chier ici. Mais mon cas, elle est malade, je pouvais pas la retenir. Oh non, mais faut pas la pauvre, tu lui fais peur. Arrête de crier, c'est pas de sa faute. Hein. Regarde, elle a peur, elle remue sa queue. Non, c'est pas grave, mon bébé. Y'a pire. Hein, y'a pire. Bah oui, y'a pire, bébé, ça se fait pas ce que tu fais. Imagine, toi, t'aurais la chiasse comme ça, on te critiquerait pas en fait. Réaction mature. Restez mature. Sérieux? Qu'est-ce qu'il y a? Prémature. Ouais, c'est bien mon bébé. Bouge-toi le nez.
plastique, ça. Oh, tu l'as accusé pour rien. Eh, viens, on y va, on va faire la balade sans maman. Et moi? Waouh, mais bébé, mais t'es trop belle. Regarde-moi, ferme les yeux. C'est une surprise. Ah, je vais te tuer. C'est quoi ça? Bébé. Bébé, je te jure, l'esthéticienne, elle te les a trop mal fait. Non, mais comment ça m'est trop mal fait? Mais j'ai même pas de sourcils, qu'est-ce que tu me racontes là? Ah, bah là, pour le coup, t'en as plus, oui. Non, s'il te plaît, comment je fais? Tu veux que je le tire? Non, je sais pas. Alors, fais-moi un bisou. Vas-y, j'ai une bouilloire. Vas-y, j'ai une bouilloire. Vas-y, s'il te plaît. Tu les as sur les deux? Non, mais j'ai plus de sourcils, j'en ai pas, j'ai plus de sourcils, comment je vais faire? Ne touche surtout pas à rien. Hein? Non, 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 il a plus de sourcils! Mes sourcils, mes sourcils! Je lui réponds à côté de la plaque quand il me parle. Bébé, tu peux me passer un truc à boire, s'il te plaît? Mais non, il fait pas froid aujourd'hui, t'abuses, hein. Non. Mais il fait pas froid aujourd'hui. Porte quoi, toi? C'est l'hiver, quoi. Bah. Mais je peux avoir un truc à boire, s'il te plaît? Bah, c'est mieux le samedi, après, samedi, y a plus de monde, quoi. Hein? Bah, c'est mieux le samedi. Qu'est-ce que tu me parles de samedi? Je te demande à boire de l'eau et tu me parles de samedi. Mais qu'est-ce que... Ah, tu peux aller faire les courses, mais en même temps, manger des chips. C'est sûr que voilà quoi, y'a plus rien à manger quoi. Anna, t'as fumé? Mais non. T'as bu? Quoi? Je mange pas de sucreries. Anna, t'as fumé? Mais je mange pas de sucreries comme ça moi. T'as fumé, Anna? Qu'est-ce qu'il m'a compris? Bah, je sais pas, je te parle, tu me réponds à autre chose? Eh, hey, mais comme toi, sinon il va neiger, hein. Moi, je te le dis, hein. Ouais, bah ouais. Il va y avoir de la neige qui arrive, hein. Ouais. Non, Anna, là, tu te fous de ma gueule, t'as fumé du shit. Non, je rigole même pas, en fait. Hein? Je sais pas, tu fais des trucs chelous, là. Mais va aux toilettes, on est énervé comme ça. Mais qu'est-ce qu'il... Va aux toilettes, si c'est si pressé. Je sais pas. Je vois ça, Anna. Je rappelle ta mère, j'ai déjà t'as fumé du shit. Bah. Arrête, raccroche. Je reste en position bisou pour voir sa réaction. Bon, allez, moi, j'y vais, ok? Oh, j'allais oublier les petits bisous. Mouah! À tout à l'heure, bébé. Bonne soirée. Je reviens vite, je me dépêche, ok? Pleure pas. Tout à l'heure. Arrête! J'aime pas quand tu fais cette tête. Tu peux partir? Tu m'énerves. Allez, bisous, je vais être en retard, sérieux. Bébé! Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi! On lui fait. Comme ça, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Tu restes avec toi? Oui? Ah, bisous. Ah, oui. Un dernier. Un, deux, trois. Ah, ça y est, il est long ce bisou, j'y vais. Bébé, je vais être en retard au resto là, sérieux. Allez, arrête de planter comme une autruche là. Tu veux rester avec toi? J'annule ma soirée? Tu veux que j'annule ma soirée? J'ai compris. Vas-y, viens. Yes. Baisse un doigt, édition énervée. Si tu baisses plus de 5 doigts, il est vraiment temps de te calmer. Commençons. Baisse un doigt si tu as déjà pleuré quand tu étais en colère. Baisse un doigt si tu t'es déjà battu avec quelqu'un. Baisse un doigt si tu as déjà dit quelque chose que tu ne pensais pas quand tu étais énervé et que tu as ensuite regretté. Baisse un doigt si tu as déjà frappé ton oreiller pour te défouler. Baisse un doigt si tu t'énerves facilement sur les jeux vidéo. Baisse un doigt si tu as déjà crié sur la première personne qui apparaît quand tu cliques sur partager puis sur plus. Baisse un doigt si tu as déjà insulté quelqu'un de tous les noms. Baisse un doigt si tu as déjà troué un mur. Baisse un doigt si tu as déjà claqué une porte de colère. Baisse un doigt si tu as déjà crié sur tes parents. Commente combien de doigts tu as baissé et n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner. Pauvre, ton mec te calcule jamais. Bébé! Viens! Viens! Tu me calcules même pas tes erreurs là? Allô? Mais vas-y, s'il te plaît, viens! Mais pourquoi tu me calcules pas? Vas-y! S'il te plaît, juste viens, tu me fais un bisou et tu repars. Hein? Juste tu viens, tu me fais un bisou et tu repars. Comment ça après?
Bébé. Quoi? Mais viens. Je cherche avant. Oh. Mais t'es sérieux, tu me calcules pas. Ouais, c'est ça. Vas-y, enfin. Vas-y, fais-moi un bisou. Hein? Fais-moi un bisou. Mais quoi? Mais fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Tu m'as fait déplacer pour une salle. Vas-y, fais-moi un bisou. Allez, vas-y. Mais putain, mais tu commences à me casser les couilles là. Putain, c'est pas parce que t'as intérêt que tu vas me faire déplacer pour des bisous. Arrête de pleurer. Les filles, hier, je suis allée au pop-up chine à Lille. C'était vraiment incroyable, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris et je vais bien sûr vous montrer le magasin. Alors le pop-up se situe sur 3 étages, donc regardez, j'étais choquée, il y avait même des escalades. Donc regardez, déjà il y avait le chine pour la maison, donc c'était tout ce qui était genre couverture, petit oreiller trop mignon, etc. Ensuite il y avait le chine pour les hommes, il y avait même le chine pour les enfants, regardez-moi comment c'est trop mignon ce petit pantalon, non je craque. Bien évidemment du maquillage chic glam. Et plein de bonbons pour se rassasier. Avec ça, vous êtes obligé d'avoir quelque chose qui vous convient. Mon panier était vraiment rempli. Et voilà, on repart de Lille les mains pleines. Du coup, de retour à la maison, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Donc ça, c'était des petits cadeaux de Chine. Merci beaucoup. Donc dedans, il y avait un porte-téléphone. Un kit pour le voyage pour mettre nos crèmes, nos parfums. C'est très pratique. Un magnifique petit miroir. Celui-là va être directement dans mon sac. Un bandeau. Regardez comment il est trop mimes pour se maquiller. J'aime trop. Et ça, c'est un petit porte-monnaie pour mettre balai sous les cartes, les pièces, etc. Et le Beauty Blender. Donc ça, c'est des cadeaux que Chine nous a offert en plus. Et ensuite, moi, j'ai choisi ce magnifique top rouge. Ce pantalon large, un peu oversize, il est canon. Et pour finir, un très très joli pyjama. Voilà. Les gens, on est à Dubaï, il fait plus de 30 degrés. Regardez, on peut faire du ski. Bébé, on fait du ski. C'est parti. On a récupéré la combi, les skis, les chaussures, les skis d'Ania, la combi d'Ania et les chaussures d'Ania. Bébé, tu te rends compte qu'on va skier alors qu'il fait 30 degrés? Moi, ça me choque. Les gens, regardez, on a équipé bébé, est-ce que t'es prêt à aller skier? Bon bah c'est parti, on y va alors. Les gens, il y a 30 secondes, il faisait 30 degrés et là regardez, c'est trop stylé, regardez. Non mais je suis choqué de Dubaï. Les gens, Ania a fait la meuf qui savait skier alors qu'elle sait pas du tout skier. Les gens, on va monter dans le télésiège. Les gens, on fait du ski alors que dehors il fait 40 degrés. Non mais je suis choqué. Les gens, c'est sûr, on va se ramasser la gueule. Les gens, Ania est en PLS. Oh, c'est bon, mais t'as pas le choix, mon cœur, maintenant t'es tout en haut et je vais descendre ça. Donc c'est parti. Mais moi j'ai trop peur, je sais pas comment je vais le rejoindre. Il est tombé comme une merde. T'es en PLS bébé. Genre je vais l'aider. Vas-y descends. Non mais Ania tu vas pas descendre à 2 à l'heure. Les gens, Ania elle a trop peur. Les gens je suis choqué. Ania est choquée. Notre chat est choqué, notre vie va être choquée. J'ai plus les mots. Moi non plus. Je sais qu'on est jeunes. Ça va changer notre vie. C'est pas de notre faute les gens. Je vous ai tout expliqué dans ma story Insta et je vous laisse avec une photo. Qui est le plus, c'est la mère de Zizou qui nous juge. Je commence. Qui est le plus chiant à vivre? Les deux. Ah, ah ouais? Ah ouais, complètement. Moi aussi, c'est 50-50. Non, c'est toi, les okay. Deux. Lequel de nos deux est le plus chiant? Ah, c'est toi. T'es sérieuse, maman? Oui, c'est toi. T'es toujours en train de râler. Et c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, c'est bon, c'est chiant. Ok, à moi. Qui est le plus attentionné envers toi? C'est moi. C'est moi le portefeuille, t'es sérieuse? Elle a vite oublié. Bah ouais, t'as vite oublié les vacances à Punta Cana, 20 000 euros. C'est toi, je rigole. Ah non, vas-y, à toi. Pose-lui un truc si tu veux. Lequel de nous deux ouais. T'aimes le plus? Ah bah c'est toi mon fils, désolé. Ça c'était facile. Okay, toi il est chiant. Attends, à moi. Lequel de nous deux est le plus drôle à la joie de vivre? Ah c'est toi. Elle est toujours aigrie pour cette pauvre fille. Non, regarde, regarde, c'est l'air, voilà, c'est qui en flag là. Ok, une dernière ou pas? C'est moi, ok. Vas-y. Lequel de nous deux... Bah je sais pas. Bah, dans le plus. Anna. Ah bah, je suis trop contente. Là dans mes mains, j'ai un truc introuvable en boutique. Bon, je vous explique pourquoi j'ai autant de joie. Pourquoi je suis trop heureuse. Parce que à chaque fois que j'allais dans cette boutique, je rêvais d'une paire qui était indisponible. À chaque fois que je demandais, j'ai demandé pendant 2 mois, 3 mois, 5 mois. Tout le temps, ils me disaient non, on n'a pas, non, on n'a pas. Donc moi, j'étais désespérée. Et hier, Zizou, l'homme de la situation, a réussi à trouver
Bon, je vous avoue, il a une petite tête de Mélanie. D'ailleurs, tu passes par là. Merci beaucoup. Et je pensais vraiment trop que cette paire, j'allais l'avoir que dans mes rêves. Elle était pas disponible en fait. Du coup, je suis trop contente. Après, il faut aimer. Je sais que pas tout le monde va aimer. C'est un style différent. Je suis trop émue. Je vais les saigner. Mais dommage qu'en fait, on est en hiver. C'est pas grave, je les saignerai pendant les vacances. 3, 2, 1. Tada ! Regardez, c'est trop bien. Elles brillent, elles sont trop belles, elles sont toutes douces. Je les aime, voilà, c'est mes amours de ma vie, je les aime plus que... Donc voilà, mes nouveaux bébés. Elles sont nude, elles sont belles, elles sont waouh. Elles sentent le neuf. J'aime trop. Bon, malheureusement, je peux pas vous les montrer parce que mes pieds, ils sont pas vernis, donc flemme. Mais j'ai trop hâte de les essayer porter. Elles vont être incroyables. Allô ? Mais on n'a jamais parlé sur elle. La menteuse. Mais ils ont jamais parlé sur elle. Ma menteuse. On n'a jamais parlé sur elle. Mais ils ont jamais parlé sur elle. Choquée. Elle aime trop les problèmes, je te jure. Mais on n'a jamais dit ça. Mais c'est qui, mais le parleur? On n'a jamais dit ça. Mais ils ont jamais dit ça. Mais non, on n'a jamais dit ça. Mais non, ils ont jamais dit ça. Mais le parleur, je vais parler moi. Oh la menteuse. Ah bon? C'est une menteuse. Ah ouais, c'est une menteuse. Mais c'est elle qui nous a critiqué. Elle veut qu'on aille en bas de chez elle. Elle veut qu'on arrive. Elle veut qu'on aille en bas de chez elle. Elle veut qu'on vienne en bas de chez elle. C'est quoi son adresse? Envoie son adresse. Donne l'adresse tout de suite. 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 Ma mère, elle t'a déjà vu l'adresse tout de suite. Je vais y aller. Elle veut pas donner l'adresse. Ah. Non, je veux pas donner l'adresse. Et ben on arrive quand même. On arrive tout de suite. Va chercher les clés. Je vais chercher les clés. Vas-y vite. Je vais d'accord. Tu sais que tu n'es pas la seule femme que j'aime au monde sur cette terre. Oui, je sais. Bah, y'a qui? Bah, y'a ta mère, c'est normal. Et bah, moi, je voulais trop qu'on lui prenne une bague chez Dairy Wings. On a un cadeau pour toi. Comme tu sais, tu n'as plus de mec. Et y'a personne qui peut te mettre une bague au doigt. Tu peux choisir parmi les magnifiques bagues de chez Dairy Wings et on va t'en offrir une. Non. T'es prête? Oui. Tu peux faire ton choix. Allez, go, go, go. Tu peux choisir l'une de ces quatre bagues, celle que tu veux. C'est et tu t'en fous du prix. J'ai choisi déjà celle-ci. Tu veux celle-là? Ouais. C'est vrai? Madame, on va prendre cette bague, s'il vous plaît, pour ma mère. C'est trop beau, mais désolé, on ne peut pas vous voir aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que c'est chez Daddy Ingo. On dit non, mais on ne veut personnaliser une seule bague dans sa vie pour sa femme unique. Non, on ne peut pas offrir la bague à ma maman parce que je ne suis pas son mec. Je ne compte pas me mettre en couple avec toi pour une bague. Il faut que ce soit ton homme qui t'offre la bague. Donc c'est parti maintenant, on trouve un homme. Au revoir. J'ai trouvé la solution pour que tu puisses avoir ta bague. Non. Regarde, je t'explique. Si tu ramènes ton homme ici et que vous jurez fidélité et que vous signez le contrat en achetant la bague elle est à toi. C'est vrai ? Et ton homme pourra plus jamais te tromper de ta vie. Mais trop bien, c'est trop bien. Ouais. Mais le problème, c'est que t'as pas de mec. Bon, on va trouver un. Allez, parti. Conji. C'est le bonhomme le puissant qui te mettra la cervelle. Chata, ton bougon fait danser la bachata. Baisse un doigt, édition école. Si tu baisses plus de 5 doigts, tu es un mauvais élève. Commençons. Baisse un doigt si tu as déjà triché lors d'une évaluation. Baisse un doigt si tu as déjà utilisé ton téléphone en classe. Baisse un doigt si tu as déjà copié les devoirs de l'un de tes camarades. Baisse un doigt si tu as déjà évité le regard du professeur pour ne pas être interrogé. Baisse un doigt si tu penses être plus intelligent que les deux premières personnes qui s'affichent quand tu cliques sur « Partager » puis sur « Plus ». Baisse un doigt si tu as déjà eu un crush sur ton ou ta professeure. Baisse un doigt si tu as déjà imité la signature de tes parents pour éviter d'avoir des ennuis. Baisse un doigt si tu as déjà fait semblant d'être malade pour rater l'école. Baisse un doigt si tu t'es déjà endormi en classe. Baisse un doigt si tu as déjà oublié de faire tes devoirs. Commente combien de doigts tu as baissé et n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner. Ah ouais, je prends des affaires, tu ranges ta mère, d'accord? Toi et moi, c'est fini! T'as vu toutes tes scrubs? Rentre chez ta mère avec moi. Rentre chez ta mère, toi et moi, c'est fini, s'il te plaît.
te plaît, rentre chez moi. Pourquoi? Je ne suis pas plus et arrête de prendre ton air de misquine avec tes yeux de poisson. Arrête de crier sur elle là. Mais si je veux le crier dessus, je le crie dessus. On ne parle pas comme ça une femme. Ah ouais, je parle comment alors? Je t'ai pas élevé comme ça. Allez, rentre chez toi alors. Non, j'ai rien fait. Je te quitte. Non. Tu arrêtes là de crier comme ça. Je t'ai dit. Allez, bouge, allez. Bouge. Non, mais j'ai rien fait. Rentre chez toi. Mais je suis moi-même. Eh ben, rentre chez ta mère. Mais t'es là, t'es ma mère, je vais. Je m'en fous, tu rentres chez ta mère. Mais ça va pas ou quoi? Allez, on se dévore, tu vas aller. C'est bon là, ça c'est plus maintenant. Complètement mal. Je t'aime plus, Anya. Mais j'ai rien fait, mais c'est lui ou quoi lui? Non mais. Quoi? Mais j'ai rien fait. Mais je sais que t'as rien fait. J'ai rien fait. Je t'ai pas élevé comme ça, non? À crier comme ça. Alors Anissa, il m'a quitté. J'ai rien fait, j'ai même pas le temps de le tromper. Mais on dit pas ça non plus, pas. Les gens, Anya m'a forcé à me lisser les cheveux parce que j'ai perdu un pari. Allez, on passe au sérieux. Les gens disent la vérité, mais c'est mieux comme ça. Bon, je vous montre le résultat tout de suite. C'est horrible. Non, moi j'aime bien. Franchement, ça a changé tout. Ah non, pas du tout. Si, je suis trop machin. Non, je suis sûr, j'aime bien. Ah non. Attends. Ah non. T'es trop beau, mais. Ah non. Ça change. Imaginez, j'ai perdu mes boucles. Mais... Les gens votent pour le avant ou après dans les commentaires. Moi, je vote pour avant. Et toi? Maintenant, mais là, tu fais exprès de mal te coiffer pour qu'ils votent avant. Je pleure car j'ai mal au ventre à cause des règles, sa réaction. Pourquoi tu pleures? J'ai fait quoi encore? J'ai rien fait, pourquoi tu pleures? C'est pas toi. Bah moi je sais pas, depuis que t'as des règles, mon cœur, j'ai l'impression de tout faire marre, mais quand même. J'ai mal au ventre. C'est vrai? Tu veux un massage du ventre? S'il te plaît. T'as froid? C'est à cause des règles? Oui. T'as faim? Oui. Tu veux des chocolats? Oui. J'ai mal au ventre. Chef de bouche. T'as soif? J'aime pas. Non, tu peux venir à côté de moi. Dit que ça y est, les vacances étaient finies, come back to Paris. Et maintenant, figurez-vous que Zizou a prolongé encore les vacances. Je vous avais dit que sa mère reprenait le travail le 3 août, mais au final, on rentre le 2 août. Quoi de mieux de finir ses vacances en beauté à Cannes? Du coup, je vous montre en vite fait notre chambre. Du coup, ça sera notre chambre que pour 2 jours. Ça, c'est l'entrée. On n'a pas pris la même que la dernière fois. Ici, vous avez une salle de bain. Et là, vous avez notre lit. Avec la vue, bah, pas sur la mer du coup, mais sur les gens. Attendez, en vrai, il y a un truc qui est trop trop bien dans cet hôtel, c'est qu'il y a une piscine. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, Zizou, il est parti à la piscine sans moi. Je vais aller le rejoindre en cachette. Je suis dans l'ascenseur, on va voir ce qu'il fait. Imaginez, il est en train de me tromper. Regardez, je vous montre. Donc, il y a marqué spa, piscine, sauna, hammam, trop stylé. Là, je sais pas où il est. Attendez, je crois qu'il m'a vu. Regardez qui je retrouve. Voilà. Bah oui, pourquoi? Elle a fait des gros seins. Mais t'es sérieux, là? Mais...
Je savais que tu étais en train de me tromper, dégage. Je trompe pas, regardez, t'es pas trompé. Vous avez vu, je vous l'avais dit. Enfin bref, je continue, je vous montre. Du coup, vous avez la piscine intérieure et extérieure vue sur le bâtiment, puis elle est chauffée, j'aime trop. Ici, vous avez un hammam. Oh, ouais, il y a des gens. Oh, bah, sorry. Il y avait des gens. Et là, il y a un sauna. Bon, cette fois, j'ai vérifié, il n'y a personne. Oh là là, il fait chaud. Regardez, il y a le petit coucher de soleil. Regardez, la vue, elle est trop magnifique. Et en fait, regardez, la terrasse, elle fait tout le tour. Genre, c'est une terrasse XXL avec plein, plein de transats. Attendez, je cours pour vous montrer jusqu'à la fin. Non, c'est trop long, je vais tomber. Du coup, là, on arrive par là et regardez, la piscine donne de ce côté aussi. Bon, voilà, du coup, on reste ici 2 jours et après, on rentre vraiment à Paris cette fois. Je vais me doucher, je vais me préparer et let's go tout le monde. Get ready with me. À tout à l'heure. S'il me cherche, dis-leur qu'on est marié. On attendait le sablier. On lui fait croire que la gazinière a pris feu. Moi, il y a un problème avec Agnès, on n'arrive pas à allumer le gaz. Non, mais Olivier, je vais pas cramer ta maison, mais ça marche pas. Olivia, viens s'ouvrir la porte dans la cuisine. Tu vas cramer ma maison, ça va aller. J'ai rentré vite dans la cuisine, tu vas voir. Vous savez, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et qui dit Saint-Valentin dit petit cadeau pour mon bébé. Donc lui il est parti chercher mon cadeau et moi je vais aller chercher le sien. Comme par hasard je tombe sur le rayon des femmes, je crois que je vais m'acheter un truc en fait, j'ai pas pensé à lui. Les filles, dites la vérité, pépites. Les filles, est-ce que je le prends ou pas? Mais en fait c'est la Saint-Valentin, c'est pour lui pas pour moi. Oh pardon. Les filles, s'il vous plaît ne me critiquez pas. J'ai craqué pour ces chaussures mais je sais que vous allez me critiquer mais elles sont pas trop belles. Regardez, j'avais jamais vu ça. Des talons Prada, ils sont trop beaux. Bon, vas-y, sérieux, je me concentre, faut que je trouve un truc pour les mecs, pour les mecs, pour les mecs. Bon, en vrai, j'ai une idée. Il me parlait tout le temps des t-shirts Palmier Angels. Je sais pas si vous connaissez. Monsieur, excusez-moi, c'est où la marque Palmier Angels? Pardon, Palmier Angels? Ouais. Ah, Palm Angels. Ah, ouais, c'est par là. Ah, la honte. Merci. J'ai trouvé, mais il y a un problème, il n'y a plus de t-shirts. Franchement, moi, j'aime trop les pulls comme ça, mais lui, il aime pas avec les nounours. Ou alors, je lui prends un petit short pour l'été, mais je crois que c'est pas trop son délire.
J'ai trouvé un t-shirt, mais il y a un requin dessus. Je crois qu'il va pas aimer. Bon, le vendeur, il m'a dit qu'il en restait un seul en stock, donc je vais le prendre, tant pis, et je vais prendre que ça. C'est bon, j'ai mon cadeau, je lui offre dans le prochain TikTok.